Le Necolite Orchestra va enflammer le Grand Rex avec tout un concert sur le thème de Noob. J'ai vraiment hâte de voir ça. À la limite, je vais me caler avec vous, en fait, parce que je veux le voir de face, tout ça, si j'ai le droit. Attention, Necolite Orchestra, est-ce que vous êtes prêts? On peut les applaudir. Ils arrivent! Bonsoir à tous. Hey, je suis pas vraiment du groupe, moi, alors soyez sympa. Qu'est-ce qu'il fait là, ce guest? Le micro. Le micro. C'est comment ça va? C'était le mien. Moi aussi, ça marche. Ça marche. Comment ça va, le Grand Rex? Nous, ça va. Pas trop mal. Ce final de Noob avec un guest. Peut déjà faire un immense honneur, celui qui nous fait l'honneur, ça fait deux fois honneur dans la même phrase, Monsieur Pen of Chaos, Niall Buck, qui est là, s'il vous plaît. Johnny Jones. Ça y est, je vous fous la paix maintenant. À plus tard, Monsieur Pock. Oh, un chanteur. Ça va, le Grand Rex? Que t'as de gagner, c'est quand tu n'es pas connecté. Si on veut être sûr de se planter, c'est à toi qu'il faut le demander.
j'arrête de chasser des familiers, je me mets à la chanson, c'est quand même beaucoup plus simple. Merci. Allez-y. Merci à Spa. J'ai voulu pour ça, là. Bon, on va s'attaquer à un autre personnage. Tout aussi... Tout aussi. Ça, c'est du suspense. Et on va faire de la place. Oui, parce que, de la place. Parce que ça va swinguer du boogie. Comme on dit chez nous. N'hésitez pas à danser sur votre siège. Je vais vous faire rêver, c'est le plus haut niveau, je vais vous évoluer.
Salut précieux. Pareil, enfin j'ai eu écho que tu avais quelques soucis avec tes micros, donc je t'en passe un. Merci Coco. Essayer de rattraper ça. Est-ce qu'il y a des fans, des adorateurs de Dame Gaïa ici? C'est pas majoritaire. Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on ne ferait pas quand même la chanson, le thème de Gaïa? Ma sœur a dit oui.
J'ai pas de sœur. On y va. Je sais plus comment ça court. Bon, bah, on va la faire pour sa sœur. On va la faire quelle pour Gaïa. Et quand même pour vous, pour ceux qui aiment Gaïa. Est-ce qu'on peut entendre ceux qui aiment ou celles qui aiment Gaïa? Tout n'est pas cause perdue pour toi, Gaïa. Maestro. Marcher longtemps, elle a appris à le faire. Entourée d'hommes, tous mis au quelle galère. Malgré les sorts et les invocations, non, rien n'y fait, c'est un manque de garçon. Elle aurait aimé avoir juste une amie pour se confier et puis combattre aussi. La Gaïa, la grande invocatrice, même si pour l'instant elle n'est que l'hypnotiste. Certains disent d'elle qu'elle est ratée en somme, mais elle ne voit pas le mal, elle est libérée. Le prix de la liberté. Voilà. Elle a voulu, elle aura même une petite surprise dedans. Elle est partie, par contre. Et je crois qu'elle veut que c'est parti. On va les laisser s'entretuer. On va les laisser s'entretuer. Ouais. Je veux bien un peu de lumière pour les voir se fracasser. Battez-vous! Attends, je... Il y a un truc que je rêve de faire comme ça. Attends, vas-y. Coalition! Ça fait plaisir. Et les ennemis de l'Empire! Attendez, je crois que c'est le moment qu'il va faire une petite battle, mais pas une battle forcément. On l'entend plus. Tout ce que tu mérites. Bon, je le laisse. Et on va essayer de voir qui peut faire le plus de bruit. Pour de vrai. Tout est filmé. On est en direct. Souriez, vous êtes fous. Alors, ils sont où? Coalition, ils sont là. On va d'abord faire le plus de bruit pour l'ordre. Où est l'ordre? Attendez, on va demander, il nous faudrait une âme neutre. Où est Sparadrap? Ils sont partis, bon ils sont pas là, c'est pas grave. On va demander à personne, on va juger nous-mêmes, parce qu'on est très fort. L'ordre d'abord, je veux un maximum de bruit chez l'ordre, faites le plus de bruit possible. Qu'en pensent les autres? Il y a du niveau. Quel bruit peut faire l'Empire? Nico, t'es en train de foutre la merde dans la soirée, c'est nickel. On peut dire que non, si j'étais Alex McFly, je dirais l'Empire contre-attaque. Mais je la ferai pas parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Et vous, là-bas, est-ce que vous êtes chaud? Bon, on va dire que tout le monde a gagné, parce que sinon c'est... Moi, juste,
pour le plaisir, histoire que... Et si tout le monde faisait du bruit pour, ensemble là. Pour cette soirée qui est quand même magique, juste pour le plaisir, je voudrais que vous fassiez le bordel tous en même temps, voir ce que ça donne. Ok ? Bon, comme là il y a de la chaleur, oh là. Comme là il y a de la chaleur, on va aller sous les soleils des tropiques. Parce qu'on s'est dit, on s'est dit, ils vont être chauds. Et là, on a une surprise inédite, exclusive. C'est que, en fait, moi, tu sous-signais Alex McFly, je me suis dit pour les noobs, on n'est pas au Grand Rex tous les jours, on va faire une chanson de l'été. Pour danser avec les noobs. Parce que là, vous êtes beaucoup trop chaud, donc on va se détendre un peu sur le soleil des tropiques. On va danser comme ça. Et elle s'appelle comment la chanson ? Et elle s'appelle tout simplement Danse avec les noobs. Bravo. C'est du grand Alex McFly. Si vous voulez de l'originalité, appelez-moi, il n'y a pas de souci. J'ai les cheveux bleus. Tout ça. Donc, sur celle-là, on vous dit pas ce qui va se passer. Mais si vous voulez danser, si vous voulez remuer votre popotin, en vous levant de votre siège, tout est permis. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Cette femme a t'as tout compris. T'as compris le truc, toi. Ouais. Allez, Jessie, si on les emmenait pas dans les tropiques, là, au Grand Rex, là. Vous pouvez vous lever, hein, si vous voulez danser. Allez, ça va. Pour triper dans la cour du MMORPG. Toujours été pour la coalition, mais surtout pour la destruction. J'ai plein d'ambitions en voguant dans l'horizon, mais n'oublie pas sa principale attraction. Danse avec les le leader est à nous. On va faire les fous. Le GG est en nous. Est-ce que vous êtes toujours là, le grand rêve? Un jour, je plumerai Gaïa et j'achèterai des nems aux farmers chinois. Je voudrais défoncer fantômes sans cheater ou hacker le compte de tel Chiroc à tout jamais. Je sais pas quel poison prend Ivy pour être aussi perché. Mais je pense que je vais pas tarder à lui en commander, parce que ce soir j'aimerais décompresser. Danse avec les nœuds. Est-ce que t'es prêt pour un peu de ragamuffin, Grand Rex? On y va, ok. On va faire du yoga avec Golgotha. Il y a d'un fou ici, il y a de tout, je sais tout à l'ia. Caresser des spoules, mais des paladra. Un triste au soupe, on s'accorde à la banderie, à bouillard. Allez, l'Empire, les guides, les factions. Montrez-moi vos bonnes vibrations. Danse avec les nœuds. Olivier est à nous. Oui, c'était fou.
Monsieur Timmer. Allez, Jesse, refais le rythme. Je sais pas si Fabien vous a raconté ça, mais nous on a eu la chance de pouvoir rencontrer par le plus grand des hasards il y a presque 4 ans dans le hall d'un hôtel en Suisse, par hasard, l'équipe des Noobs. On s'est croisés sur une soirée et depuis nos chemins ont continué à se croiser souvent et à essayer de faire des choses ensemble. Et la première des choses qu'on a eu la chance de pouvoir faire pour Fabien et pour toute son équipe, ça a été la chanson de fin du film 1 de Noob, donc la saison 6, qui s'appelle Your Strengths. Et quoi, vous interprétez les chutes? C'est moins dansant. Ouais. Thank you.
Quel accueil, merci énormément. Le concert est pas loin de toucher à sa fin, le show va arriver derrière, le film va arriver derrière. Et dans cette belle collaboration, bon, merci pour cet accueil, plus que chaleureux. Alors attention, je vais faire du bruit. Ah, même pas. Attention, est-ce que la guitare a soif ? Le jour où tu feras un concert sans te réaccorder, donc avec une bonne guitare. Non mais c'est... Non mais on va c'est... faire un ulule pour la guitare de McFly. Ça va pas tarder. 300 euros suffiront. Non mais c'est le jour où elle aura moins soif, ou le jour où il fera moins chaud, dans les, tu vois, là où le public sera moins chaud. C'est pas ce soir en tout cas, ça c'est sûr. Ils sont chauds. Mais elle aime ça, vous inquiétez pas. Par contre, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu es ready? Oui, c'est vrai qu'on le fait au début, on est tous les deux. Allons-y. Monsieur Thomas!
à la batterie, Magic Jesse. Et au piano, Nico Nico. Le papa de Nico. On va se quitter avec encore un peu d'émotion pour bien vous mettre dans l'ambiance du film et de la fin de cette saga mythique, avec donc le générique de fin du film 3 qui s'appelle Hold on Time, qui signifie accroche-toi au temps. Voilà, juste avant, je voudrais juste en profiter pour remercier tout le groupe de m'avoir pensé à moi pour ces deux morceaux. Donc juste pour ça, je voudrais que vous fassiez un max de bruit pour eux. Et aussi un petit mais très grand mot à notre ingénieur du son de choc, Johnny. Et inutile de repréciser qu'on remercie infiniment les noobs pour tout ce qu'ils font. Un max de bruit pour les noobs. Look around you on these fields. Another battle lost. We were friends, soldiers, fighting for a new world, everlasting lands. Online fades, long began. Cross out souls. So
Merci à tous, c'était le Décolite Orchestra. Bon film, bonne soirée.